Es ist diese romantische Vorstellung und eben auch Verwechslung, die wir haben von Daniel Düsentrieb her, ja, also eine Person, die in seinem Keller oder in seiner Werkstatt mit technologischen Mitteln eine Maschine erfindet, die aus einem Wassertropfen unendlich viel Energie herstellt. Dieser Zaubertrick, ich glaube, wir sind sehr geprägt von diesen Vorstellungen, dass Innovation eine Erfindung ist, also eine sehr einfache, abgeschlossene, ein einfaches, abgeschlossenes Ding. Près de 15 ans plus tard, le monde apprenait un mot nouveau, Velcro, la fermeture magique. Georges de Métral avait eu sa bardane, comme Newton sa pomme. Il avait mis le temps qu'il fallait, mais il y était arrivé. Une fermeture magique dont tous les journaux du monde ont parlé, même la Pravda. Une fermeture qui se pose et s'enlève comme une peau de banane. Mais pour coller quoi? Tout ce qui peut sur Terre s'accoler, hormis les humains toutefois. L'avantage, c'est facile de communiquer dans les médias quand on a quelque chose à montrer. Et si en plus si ça clignote, il y a des lumières, enfin bon, voilà, enfin c'est plus facile. Quand, je sais pas moi, des comptables qui inventent une nouvelle procédure comptable, ça peut être une révolution dans toutes les organisations. Ça peut faire générer des économies considérables dans les entreprises et dans l'administration publique. Mais j'aurais une procédure, ça se voit pas. Das ist ein grundsätzliches Missverständnis, dass Innovation, zumindest heutzutage, nicht damit zu tun hat, irgendjemand erfindet mal was und dann versucht man daraus einen Nutzen zu ziehen. 9 inventions technologiques sur 10 ne deviennent jamais des innovations. C'est parce que la définition qu'on a de l'innovation, c'est l'innovation, c'est une invention qui est effectivement adoptée par quelqu'un. Ça veut dire qu'on a plein d'innovations, plein d'inventions technologiques qui sont géniales. Donc techniquement, on peut dire c'est génial, il y a beaucoup de créativité. Le problème, c'est que les gens n'en veulent pas. In den ersten Kursen, die wir unterrichten an der Uni St. Gallen, erklären wir erstmal, dass eine Innovation aus 2 grundlegenden Sachen besteht, nämlich zum einen aus einer Erfindung, die meist einen technischen Ursprung hat. Und dann ist aber ganz wichtig als 2. Punkt, dass diese Erfindung nicht so einfach im Raum stehen bleibt, sondern an den Markt gebracht wird. Und genau an diesem Punkt sind die Geistes- und Sozialwissenschaften enorm wichtig, weil da wird nämlich die nötige Kompetenz, sprich das Marketing, die Innovationsprozesse zu gestalten und so weiter vermittelt. Les politiques traditionnelles d'innovation, elles sont basées sur l'histoire finalement de l'innovation. Alors si on remonte un peu, on a construit des systèmes d'innovation et des politiques d'innovation largement sur l'idée que des activités comme le nucléaire, la conquête de l'espace, puis Silicon Valley dans les années 80-90, était finalement au cœur des systèmes d'innovation. Et dans ces modèles-là, ce qu'on voit apparaître, c'est un rôle central des sciences, disons, dures, c'est-à-dire la mathématique, l'informatique, les sciences de la nature, les sciences liées à la technologie. Et ce qu'on constate, c'est que l'idée, elle est toujours la même. L'idée, c'est toujours, ces sciences vont inventer des dispositifs, et puis ensuite, en aval, eh bien, on est censé déboucher sur des innovations en société, des innovations sur le marché, etc., etc. Es ist eine Maschine, die sehr einmal auffällt durch ihre Größe. Man kann sie also bequem auch herumtragen. Wir haben in dieser Maschine einen Prozessor. Wir haben für diese Größe einen völlig neuen Bildschirm. Wir haben hier auch so einen Floppy-Einsatz. Und zwar sind das 3,5 Zoll Floppy, die man da rein tun kann. Nous sommes persuadés qu'aujourd'hui, les mécanismes d'innovation ils sont beaucoup plus divers que cela. Et que très souvent, c'est bien, l'innovation se fait en réponse à des questions de société, en réponse à des grands défis qu'on peut voir aujourd'hui. Innovation ist wirklich etwas, das danach strebt, Neues zu kreieren. Und ich würde mal sagen, nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Gesellschaft oder in der Administration, im Service Public zum Beispiel. Also Innovation kann an vielen Orten in der Gesellschaft vorkommen. Wenn man es enger fasst, ist es oft mit, sagen wir, wirtschaftlichen Innovationen verbunden. Aber wie gesagt, für mich ist die soziale Innovation oder die künstliche Innovation ist auch Teil der Innovation. Aujourd'hui, on définit l'innovation comme un changement général de produits, mais aussi de pratiques dans la société,
et qui serait significativement différent de ce qui se faisait avant. Donc aujourd'hui aussi, tout ce qui est lié notamment à la transition durable, aux défis qu'on pourrait aussi, qu'on débat aussi aujourd'hui largement sur l'après-crise du Covid-19, par exemple, quelles seront les nouvelles valeurs, peut-être, qui vont émerger suite à cette crise ou autre, sont des dynamiques aussi d'innovation, alors d'innovation sociale au sens plus large du terme. Innovationen finden nicht in einem Vakuum statt. Das heißt, wenn wir Innovationen anschauen, müssen wir sie immer in einem Kontext einbetten. Und hier spielen die Geistes- und Sozialwissenschaften eine wichtige Rolle. Die Geistes- und Sozialwissenschaften sind zum Beispiel wichtig, um zu verstehen, wieso etwas bei der Gesellschaft akzeptiert oder abgelehnt wird. Sie spielen eine wichtige Rolle, um zu verstehen, wieso etwas als riskant oder eben als nicht riskant eingeschätzt wird, was eben dann auch einen wichtigen Einfluss hat auf die Akzeptanz. Die Technologie und die Möglichkeiten, sagen wir mal, CO2 aus der Luft herauszufiltern oder solche Geschichten, finde ich wahnsinnig wichtig. Auf der anderen Seite geht es im Moment ja darum, ein seltsames Rätsel zu lösen. Das ist, dass die Leute wissen, dass es den Klimawandel gibt und sie trotzdem sehr wenig Verhalten ändern. Und wenn wir auf der Ebene von Verhaltensänderung sind oder von von einem Verhalten, das positiv der Natur gegenüber ist, dann sind wir bei den Sozialwissenschaften. Das ist die Psychologie, das ist die Sozialpsychologie, das ist die Ökonomie. Also da gibt es so viele Fragestellungen, die eigentlich wirklich nur von den Geistes- und Sozialwissenschaften und den Künsten wirklich bearbeitet werden können. Il faut souligner qu'il existe déjà quand même toute une série de listes sur les contributions possibles des sciences humaines et sociales à l'innovation, mais ces différentes listes ne sont jamais réellement systématisées. Alors ce que nous on a suggéré, c'est que finalement on pouvait tout de même, et c'est la bonne nouvelle, on pouvait comprendre le rôle des sciences humaines et sociales à travers seulement 4 fonctions principales. L'inventeur n'est pas nécessairement un innovateur. Celui qui est l'innovateur, c'est l'entrepreneur lui-même qui lance le changement. Et là, en sciences humaines et sociales, alors notamment en management, mais aussi en droit privé, je pense notamment à la gestion de la propriété intellectuelle, au droit de l'entreprise, au management de projets ou autres, tous ces outils développés par les sciences humaines et sociales permettent quelque part, cette transformation d'innovation ou d'idées plus générales en innovation qui vont avoir un développement, un déploiement dans la société. Donc là, cette fonction-là est souvent bien mise en évidence, mais elle est souvent mise quelque part comme une science facilitatrice qui vient s'ajouter à l'invention qui est le cœur de l'innovation. Alors que là, l'idée, c'est de dire que l'entrepreneuriat est au cœur de l'innovation. Ça, c'est un cas qu'on voit et revoit d'entrepreneurs qui ont des connaissances techniques, qui ont développé une technologie, puis qui sont certains de savoir à quoi cette technologie va servir. Mais lorsqu'on leur demande de se lever et en 2 minutes d'expliquer quel est le problème auquel cette création va pouvoir répondre, régulièrement, l'entrepreneur va réexpliquer la technologie, va réexpliquer quelle est la nouveauté, quel est le côté incroyable de la création. Et on essaie vraiment donc de les pousser à réfléchir. Qui va utiliser ça? Qui en a besoin? Est-ce que le coût de changement pour cette personne, c'est-à-dire que là, la personne sûrement utilise déjà une machine ou quelque chose de similaire, il y a une amélioration avec la vôtre, mais est-ce que ça va être assez pour que cette personne fasse le choix difficile de changer? On sait aussi, ça, basé sur énormément de recherches d'ailleurs en sciences sociales, qu'on n'aime pas le changement, donc il y a aussi toute une limitation à ce niveau-là. Donc je pense que la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va leur demander de réfléchir à quel est le problème que leur création va résoudre. Vom Anfangsstadium, wo es darum geht, herauszufinden, welche Bedürfnisse am Markt eigentlich vorhanden sind,
hin zum Verteilen von Ressourcen im Unternehmen und um Feststellung der Ressourcen außerhalb vom Unternehmen, dann vom Managen des Prozesses im Unternehmen und dann schlussendlich an den Markt bringen und das Produkt auch am Markt wieder zu erneuern. Da sind überall die Geistes- und Sozialwissenschaften, also vom Management zu Marketing, zu Psychologie und so weiter, enorm wichtig. Sie kennen bestimmt alle das Unternehmen On Running, die Laufschuhe herstellen. Und bei diesem Unternehmen ist schön zu sehen, dass das Gründungsteam, wie das oft der Fall ist, nämlich aus Leuten besteht, die zum einen sehr fundiertes technisches Wissen haben, aber zum anderen auch ganz wichtig, ein Teammitglied, das ursprünglich Marketing studiert hatte und somit maßgeblich am Erfolg des Unternehmens beteiligt war. Also das wäre so ein gutes Beispiel für ein Unternehmen, was wirklich, oder eine Innovation, was so nur existiert, weil eben Kompetenzen aus verschiedenen Bereichen, in den technischen und den geistes- und sozialen wissenschaftlichen Bereichen zusammengekommen sind. Donc j'aurais envie de dire que ce qui serait important, c'est d'utiliser la force en fait des sciences sociales dans lesquelles on leur demande d'être souvent créatifs, c'est-à-dire que les personnes qui sont à la base qui écrivent, les personnes qui sont extrêmement bonnes en communication, en développement de concepts, sont dans la création. Ils sont dans quelque chose qui ne peut pas être parfait, qui n'est pas mathématique. Et j'aurais envie de dire que l'importance de l'intégration des sciences sociales dans des équipes qui souhaitent innover, qui souhaitent créer des nouveaux produits, elle pourrait apporter une énorme richesse et permettre, je pense, à plein de créations techniques et parfaites, disons, de s'intégrer beaucoup mieux sur des marchés. Ich glaube, wenn Sie Mark Zuckerberg von Facebook fragen würden, wofür Facebook, also wirklich er, wofür er das haben wollte, sagt er, also sicher nicht das, was es heute ist. On peut développer toute une série de technologies, la question sera bien à quoi ces technologies serviront. Et là, finalement, des méthodes telles que du design thinking, de la recherche aussi d'usage, d'innovation par les usages notamment, sont vraiment des méthodes qui peuvent être développées par les sciences humaines et sociales, notamment l'anthropologie, mais aussi les arts ou autres. Diesen Sinn zufügen können eben nicht, oder meistens nicht die Leute, die die Innovation haben oder entwickeln, sondern oft die Rezipienten dieser Innovation. Also ich plädiere da auch viel mehr an ein, wie soll ich sagen, an ein Baukastenprinzip, das man als Innovator quasi schaffen sollte. Man sollte nicht eine abgeschlossene Innovation zur Verfügung stellen und sagen, so, hier ist das Ding, jetzt könnt ihr Menschen damit das und das machen. Sondern vielmehr, ich habe hier ein Framework, ein Baukasten, eine Grundidee, ein Grundcode, eine Grundinnovation und jetzt schauen wir mal, mit eurer Hilfe, was passiert damit? Wie könnten wir das weiterentwickeln? Une technologie n'est utilisée que si elle fait sens pour les gens. C'est-à-dire que si on peut l'associer à des idées, à des mots, à d'autres expériences, etc. Et là, tout ce qui est du domaine de la culture est essentiel pour construire un sens. Creative Economy beschäftigt sich mit der Schnittstelle von Kunst, Design und anderen Feldern wie Gesellschaft, Politik, Wissenschaft. Und wir beschäftigen uns insbesondere mit der Frage, wie Wertschöpfung entsteht zwischen diesen Feldern an der Schnittstelle. Ich könnte das relativ gut machen jetzt mit dieser Grafik. Und Sie sehen, dass im Jahr 1970 viel Wertschöpfung noch passiert ist in dem mittleren Bereich, da wo es um das Manufacturing geht, also um die Produktion. Und Sie sehen, wie sich das verschoben hat zu heute, wo in der Produktion, im Manufacturing ist es immer weniger Wertschöpfung und es sind zwei Bereiche dazugekommen, Forschung und Design. Und Branding, After-Sales-Services, Storytelling auf der anderen Seite. Das ist so, weil die Gesellschaft sich verändert hat in den letzten 30 Jahren.
1970 gab es noch so etwas wie einen Mittelstand. Das waren Leute, wo es darum ging, alles das zu haben, was andere auch haben. Und heute sehen wir eher eine urbane Mittelklasse, die genau das Gegenteil will. Sie will anders sein als die anderen. Und da muss man den Leuten aber erklären, weshalb sind diese Produkte oder diese Dienstleistungen jetzt gut, um sich zu unterscheiden. On est le cas de l'industrie horlogère en Suisse. Eh bien, vous savez que la montre, c'est pas véritablement un objet fonctionnel aujourd'hui. On a d'autres dispositifs qui nous donnent l'heure de manière beaucoup plus précise. En revanche, pourquoi est-ce que des personnes sont d'accord de payer des milliers, voire des centaines de milliers de francs pour acquérir un tel objet? Eh bien, c'est parce qu'il a un sens différent. Il a acquis une valeur qui est liée avant tout à l'authenticité, au retour aux origines. Et c'est uniquement si on prend en compte cette dimension socio-culturelle qu'on peut comprendre, par exemple, le fait qu'on produise aujourd'hui en Suisse essentiellement des montres mécaniques. Interessante Künstler und Designer können von 20 Jahren, also von einer Zug, von 20 Jahren entfernt zurückschauen auf das, was heute ist. Also sie können sagen, wenn es in 20 Jahren so sein soll, wie ich es mir vorstellen kann, dann müssen wir heute dieses oder jenes machen. Wir stellen fest, dass gute Künstler und Designer, die können sehr gut eine Behauptung formulieren. Sie können Dinge, die es noch nicht gibt, visualisieren. Sie sind auch in der Lage, erstaunlich gut über Dinge zu reden, die es noch gar nicht gibt. Sind das in der Regel keine linearen Produktionsmethoden, sondern das sind relativ chaotische Methoden. Gute Künstler und Designer, trotzdem haben sie einen Blick dafür, wann es genug ist. Jetzt ist der Moment, wo wir von der Kreation in die Innovation gehen. Also wenn sie eine Innovation gemacht haben, dann ist das immer der Ausgangspunkt für das Nächste. Also Zukunft und Vergangenheit sind extrem wichtige Dimensionen, wenn ich über Innovation denke. Die Vergangenheit vergisst man oft und auch, dass es unterschiedliche Arten von Zukunft gibt. Eine kurze und eine, die ganz weit weg ist. Also der sagen wir dann Fiction. Sie sehen hier im Hintergrund auch diese Würfel. Das ist so ein Kunstprojekt, das genau das illustriert. Das sind alles Wörter aus Trendberichten, also aus Berichten der Medien, die gerade so da sind. Also wenn das stimmen würde, dass wir im Alten immer neue Dinge sehen, dann könnte man auch sagen, wenn man die einfach so zufälligerweise zusammenstellt, dann kann man ja schon die Zukunft lesen, was dann kommt. Le droit et toutes les sciences qui vont tourner autour du fait de définir des règles du jeu, de se mettre d'accord sur quelque chose, sur des manières de fonctionner, des manières d'utiliser, des manières acceptables, des manières pas acceptables, etc. Tout ça, ça va être essentiel. Donc le droit, les sciences politiques, l'économie, la sociologie, tout ça va avoir un rôle important parce que toute nouveauté a des avantages et des inconvénients. Et que ceux qui payent les inconvénients ou qui subissent les méfaits de la nouveauté, ce n'est pas nécessairement que les mêmes que ceux qui en tirent les bénéfices. Et du coup, il y a des questions d'équité qu'il va falloir régler dans la société, de dire, bon, ok, évidemment, il y en a qui vont payer les inconvénients, mais est-ce que ce n'est pas trop injuste ou trop inégal, etc. Donc tout ça, ça doit être construit socialement et politiquement. Les choix en Suisse, c'était de dire le cadre qu'on va fixer, c'est un cadre aussi large que possible qui laisse le plus de liberté possible aux acteurs économiques. Ce qui veut dire qu'en Suisse, on ne va pas nous dire que les 5 prochaines années, on va produire que des chaussures brunes. Mais si quelqu'un a envie de produire des chaussures, il peut produire des chaussures et puis les produire de la couleur qu'il veut. Et puis s'il veut ouvrir un salon de coiffure, il pourra aussi. Ça nous semble évident, mais dans les systèmes communistes, ben, on vous disait qu'est-ce que vous alliez étudier. Si on prend le domaine de la propriété intellectuelle, on a un droit de la propriété intellectuelle qui permet de bien se protéger et donc de stimuler l'innovation de ce point de vue-là, par ces instruments-là. En même temps,
L'innovation, je pense que d'un côté, elle doit être stimulée, mais une innovation qui n'est pas accessible à la société, elle ne sert à rien. Donc, il faut aussi qu'on ait des instruments qui permettent de garantir l'accès à la société de cette innovation, ou l'accès à cette innovation par la société plutôt. Je prends quelques exemples. Aujourd'hui, avec la numérisation, il y a de grands enjeux de société qui se posent. La question de la propriété des données, la question de ce qu'on peut faire ou ne pas faire sur Internet, dans le domaine évidemment de la cybercriminalité, mais aussi de la pornographie, du jeu en ligne, de ces différentes activités qui sont extrêmement importantes et qui doivent évidemment être encadrées juridiquement. Eine wichtige Herausforderung heutzutage finde ich auch, dass wir häufig verschiedene Werte abwägen müssen. Also gerade zum Beispiel im Bereich Tracking oder Tracing, diese Abwägung von Sicherheit und Privatsphäre, wo es keine eindeutige Antwort gibt, wo man wirklich diese Chancen und Risiken und diese verschiedenen Werte abwägen und auch aushandeln muss. On a personne qui va nous dire qu'est-ce qui est bénéfique et qu'est-ce qui est pas bénéfique. Par contre, il y a des innovations à laquelle la société n'est pas, enfin, ou pour laquelle la société n'est pas encore prête, ou ne veut, que la société ne veut pas. Typiquement, dans le domaine, je peux prendre l'exemple des sciences de la vie, tout ce qui touchait à la brevetabilité du vivant, ça a donné lieu à d'énormes discussions en Suisse. Et de nouveau, dans les lois de propriété intellectuelle, et là typiquement dans la loi sur les brevets, on a certains domaines technologiques qui sont exclus de la protection, où on dit, ça, là-dessus, vous ne pourrez jamais obtenir de protection. Ein wichtiger Rahmen ist generell die Sozialverträglichkeit. Wir leben in einem demokratischen Land und die Innovationen oder die Einführung von Innovationen muss demokratisch abgestützt sein. Und das ist dann manchmal auch eine Herausforderung, weil wir sind ja auch keine Insel, wir befinden uns in einem großen Verbund und viele Innovationen sind sehr global, sehr vernetzt und auch hochentwickelt. Und hier haben wir hier auch beschränkte Einflussmöglichkeiten. Wir haben hier nicht die gleichen Ausgangsbedingungen wie zum Beispiel in den USA oder so. Là, on a besoin d'innover, c'est que on est dans un monde qui va de plus en plus vite, ou en tout cas qui allait de plus en plus vite. Je ne sais pas s'il va encore continuer à aller de plus en plus vite. Avec une technologie qui évolue extrêmement rapidement et les parlementaires, enfin le législateur est dépassé, on n'arrive plus à suivre. Donc là, je pense aussi qu'il faudrait innover. Innover, ça ne veut pas forcément dire réinventer la roue, ça veut dire aussi peut-être aller chercher des méthodes entre guillemets traditionnelles qui ont bien fonctionné. Et la question que moi je me pose dans le droit, c'est est-ce qu'il faut vraiment légiférer chaque fois dans ces nouveaux domaines technologiques de façon très très précise, et le risque c'est qu'on oublie quelque chose, ou est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à des principes généraux qui sont éprouvés et cas échéant laisser plus de place aux juges ensuite dans des cas particuliers. Parce qu'on n'arrive jamais à, le législateur n'arrive pas à être assez rapide pour être à jour avec la technologie. Was wir als Geistes- und Sozialwissenschaften leisten können oder vielleicht etwas sensibilisieren können, ist dieses gesellschaftliche Gespür, diese Kompetenz, etwas zu kontextualisieren und nicht die Technologie ins Zentrum zu stellen, sondern eben den Menschen, weil die Technologie soll ja den Menschen dienen und nicht umgekehrt. Ich finde, es gibt ganz viele Beispiele, auch heutzutage, wo eben die Geistes- und Sozialwissenschaften nicht berücksichtigt wurden und wo man dann auch etwas überrascht ist über die vehemente Reaktion in der Bevölkerung. Also ein Beispiel dafür ist 5G, ein älteres Beispiel dafür ist Genmodifikation. Hier haben die Fachleute gefunden, hier gibt es kein Problem, es gibt keinen Grund hier groß Widerstand. Und man hat eben die Ängste in der Bevölkerung nicht berücksichtigt oder nicht genügend ernst genommen. Und hier gab es dann große Widerstände. Ein positives Beispiel, das mir einfällt, ist zum Beispiel das Tiefengeothermie-Projekt in St. Gallen, wo man die Bevölkerung sehr, sehr früh mit einbezogen hat, wo gesellschaftliche Partizipation eine wichtige Rolle gespielt hat. Und das hat dann zu einem großen Rückhalt in der Bevölkerung geführt. Obwohl ganz klar kommuniziert wurde, dass diese Technologie mit Risiken einhergeht und dass man diese Risiken nicht genau abschätzen kann. Aber dennoch haben sich die Leute einbezogen gefühlt und sie haben sich ernst genommen gefühlt und sie haben
wirklich gute Informationen bekommen. Also hier, denke ich, hier hat das zum Beispiel viel besser gespielt. Cette quatrième fonction, ce sera principalement celle qui va s'incarner dans les débats médiatiques. Si vous écoutez ce qu'on peut, si vous écoutez la radio ou la télévision, vous allez voir que très souvent, on va faire intervenir des spécialistes de sciences sociales pour discuter de telle ou telle dimension. Et la mise en média elle-même, la mise en débat, elle est le fait de spécialistes de sciences humaines et sociales. Pensez aux gens qui font du journalisme, qui font de la communication, qui font parler finalement les uns et les autres. Qui parviennent à faire les liens entre ces différentes dimensions. Wir arbeiten sehr gerne in, wir nennen es Traumteams, Dreamteams, wo wir viel Wert darauf legen, dass Disziplinen wie aus der Wissenschaft Forschung drin ist, wo Engineering Know-how drin ist, wo Marketing, Customer Experience, wie auch Business Modeling Know-how drin ist. Und nur in diesem Zusammenspiel, in dieser Co-Kreation von verschiedenen Disziplinen, sind wir schnell und treffsicher im Erfinden von neuen Sachen. Und da helfen dann die Methoden, die nichts anderes als ein Werkzeug sind, ein Wegbegleiter, um sonst die ganz verschiedentlichen Denkweisen in einer auch effizienten und inspirierenden Art auf einen Tisch zu kriegen, sodass man sich nicht in ewigen Luftschlössern verliert. Quand on parle d'innovation, innovation sociale, innovation technologique, il est important de se souvenir qu'il existe un tiers secteur de la recherche qui comprend sur la planète des millions de personnes qui, tous les jours, par leur pratique, par leur expertise spécifique, contribuent à produire des connaissances et des innovations de toutes sortes. Et en fait, il se trouve que ce tiers secteur de la recherche, qui comprend des ONG, des associations, des TPE, donc des très petites entreprises, des moyennes entreprises, est très peu ou pas soutenu par l'État, contrairement à l'industrie et à la recherche publique, pour lui permettre de véritablement contribuer et cumuler les expériences faites en matière d'innovation et de recherche. Große Unternehmen können lernen, sich ständig immer wieder zu verbessern auf Prozessen, auf Projekten, auf Services. Aber sie haben Mühe, eher disruptive Schritte zu machen, weil doch die Organisation designt ist, sich selber zu schützen, sich selber zu optimieren. Und daher braucht es oft einen Partner wie Creaholic, sodass man wagt, auch mutige Schritte nach vorne zu machen. Und da haben wir mit Swisscom und Creaholic eine strategische Partnerschaft, die ermöglicht, zum Beispiel für Swisscom nach diese mutigen Schritte zu machen und auch von außen nach innen zu innovieren. Toutes les structures ressentent un besoin de sortir des clous et de permettre justement à leurs collaborateurs de libérer, je dirais, leur créativité. Et comme souvent, le management des institutions s'oriente de plus en plus vers la production d'indicateurs de productivité ou de process qui sont souvent totalement déconnectés du terrain, il y a un besoin en fait de revitalisation du tissu d'innovation dans les organisations. Meistens passiert Innovation in der gemeinsamen Entwicklung in unseren Traumteams, aber auch mit unseren Kunden zusammen oder eben auch Partnern von Universitäten und Fachhochschulen. Das heißt, sehr selten können wir nachverfolgen, wer genau als Einzelperson die Idee gehabt hat, sondern die Idee entsteht in den Mehrheit der Fällen im gemeinsamen Prozess, in den Teams, die zusammen die Ideen anschauen, weiterentwickeln und immer wieder von anderen Perspektiven anschauen. Cette fonction de co-innovation des sciences humaines et sociales aujourd'hui est fondamentale et elle regroupe en fait l'ensemble des méthodes de sciences humaines et sociales. Elle est quelque part en fait un des dénominateurs communs de toutes les sciences humaines et sociales, puisque finalement ces sciences humaines et sociales font de la recherche en société et donc de l'innovation en société. Et elles ont pour cela aussi développé
toute une série d'outils méthodologiques qui permettent la participation et la contribution collective à la construction de problèmes publics, de problèmes économiques et aussi à l'ébauche et à la coélaboration de solutions à ces problèmes de société et ces problèmes économiques et technologiques. Zum Teil ist das klar. Da hat es ganz viele Leute mit einem Abschluss in Marketing oder in, ich weiß nicht, HR oder irgendetwas. Die kommen natürlich aus den Sozial- und Geisteswissenschaften. Auf der anderen Seite ist man sich deren Beitrag nicht immer bewusst, weil man ihn vielleicht weniger gut quantifizieren kann. Und dort gibt es wirklich ein Problem mit der Messbarkeit oder mit Indikatorensystemen. À partir du moment où on a commencé à avoir à faire des systèmes de recherche et de développement, ceux qui finançaient ont eu à cœur de savoir est-ce que l'argent que je mets, est-ce que je le retrouve quelque part à la sortie. Or, en faisant ça, on ne verra pas forcément ce qui a été fait, je ne sais pas, les démarches anthropologiques, les démarches de compréhension des usages, les démarches de brainstorm, qui sont vraiment de focus group, qui sont vraiment des méthodes issues des sciences sociales. Ça, on ne va pas forcément les voir. Et le seul moyen vraiment de les voir, c'est si on regarde dans la boîte, vous voyez, dans la boîte de l'innovation, dans le système d'innovation, et pas seulement en regardant de manière input-output. Das heißt, es ist ein wenig das immaterielle Gut, das ja auch zur Innovation gehört, dass man Werte mitgestaltet oder die Beziehungen zu Kunden mitgestaltet oder eben co-kreiert mit Kunden und damit Beziehungen erarbeitet mit den Kunden. Viele dieser Dinge sind noch nicht gut angekommen als Wertschöpfung in der Wirtschaft selbst. Je pense qu'il y a une vision très réduite de ce qu'est l'innovation et de où est-ce qu'elle se trouve et d'où est-ce qu'elle naît. Je pense même qu'on peut dire que la plus grande partie des innovations se font de manière sociétale, se font de manière au niveau des business models, elles ne se font pas uniquement dans le produit qui va être créé. C'est un défi pour les systèmes de mesure actuels puisque ça demande un élargissement du cadre d'analyse qui est conséquent puisque il faut une focale en fait qui embrasse toute la société puisque précisément l'innovation sort des murs de l'industrie, sort des murs de l'entreprise et va jusqu'à n'importe quel citoyen. Donc je pense que ça c'est un des enjeux qui est très compliqué puisque maintenant l'innovation sociale elle est partout. Ich glaube, die wichtigsten Fähigkeiten und Kompetenzen heutzutage, um die Innovation zu umrahmen, sind sicher die Transparenz, die Fähigkeit, interdisziplinär zu denken. Und das richtet sich nicht nur an die technischen Wissenschaften, das richtet sich eben auch an die Geistes- und Sozialwissenschaften. Da muss man wirklich auch von beiden Seiten aufeinander zugehen und offen sein für einen Austausch. Man muss die Interdisziplinarität fördern. Wenn man jetzt zum Beispiel über Klimawandel diskutiert oder eben jetzt wieder über die Corona-Krise oder über ähnliche große, sogenannte große gesellschaftliche Herausforderungen, dann braucht es Interdisziplinarität. Dann braucht es das Zusammengehen der Ingenieurwissenschaften, der Naturwissenschaften und der Geistes- und Sozialwissenschaften. Und ich denke, darüber hat man sich ehrlich gesagt noch zu wenig Gedanken gemacht in der Schweiz. Diese Diskussion geht sehr oft unter. Im Moment diskutieren wir, ob wir überhaupt bei Europa wieder dabei sein können, bei Horizon Europe. Das ist im Moment wieder wichtiger. Es gibt immer wieder Dinge, die sich sozusagen in den Vordergrund schieben, meiner Meinung nach. Und es wäre schön, mal eine etwas grundsätzliche Diskussion darüber zu führen, ob wir wirklich gleichmäßig nicht nur allen Disziplinen, sondern auch allen Akteuren
wirklich die richtigen Rahmenbedingungen geben für eine fruchtbare, sowohl Grundlagenforschung wie angewandte Forschung. Je saisis l'occasion vraiment pour lancer un appel à mes collègues juristes de dire, voilà, on ne travaille pas en vase clos. On ne travaille pas en vase clos. Quand on réfléchit à une solution, on ne va pas uniquement voir si elle est élégante du point de vue juridique. Et le juriste ou la juriste doit un peu élargir son horizon et voir et comprendre qu'on travaille on travaille pas en vase clos, on travaille, on a un impact et on doit évaluer cet impact sur la société. Donc, évaluer l'impact d'une approche juridique sur la société, ça veut dire d'abord comprendre comment fonctionne la société ou quel est le problème social ou quel est le problème économique. Je pense qu'il y a quand même une réflexion importante à avoir de la part du monde académique pour être plus ouvert et mieux intégrer d'autres manières de faire de la recherche, d'autres manières de concevoir les rapports entre théorie et pratique. Et que là, il y a encore passablement de chemin à faire pour la communauté scientifique d'un côté, mais surtout, ce qui constitue un obstacle important, c'est l'absence d'observatoires structurés de la demande sociale au sein de la société suisse, qui peut être dans les maisons de quartier, dans les associations, dans les clubs sportifs, pour faire remonter des questions sociales chaudes qui pourraient se prêter à des recherches ou des innovations collaboratives. Les enjeux, ils sont énormes. Enfin, les enjeux, en gros, ce sont les gros enjeux de la société. Hein. C'est le vieillissement, c'est des exigences croissantes en termes de transparence et de démocratie. Et on voit bien qu'à nouveau, avec le coronavirus, on a nos fonctionnements démocratiques qui sont un petit peu mis à l'épreuve. Donc, comment fait-on pour gérer une crise tout en préservant des choses essentielles qu'on a acquises en termes de démocratie? Der Wissenschaftsrat hat sich über viele Jahre mit dem Thema immer wieder mal beschäftigt. Und ein Grund, weshalb er auch immer ganz stark für die Geistes- und Sozialwissenschaften votiert hat, ist eigentlich, dass die Welt sehr komplex geworden ist, dass wir sehr große Grand Challenges haben, mit denen wir umgehen müssen und dass wir keine Antworten darauf finden können, wenn wir nur technologiegetrieben darüber nachdenken. Im aktuellen Kontext ist es ganz wichtig, dass wir Krisen als Chance sehen und sehr proaktiv gemeinsam neue Lösungen finden und uns da auch nicht verlieren in zu langen Debatten, was das heißt, sondern sehr schnell einzelne Projekte identifizieren und hier kleine Fortschritte zeigen, wie auch große. Und da wünsche ich mir natürlich, dass wir in Traumteams oder in anderen Konstellationen neue Wege gehen können. On est dans une période qui ressemble un peu à celle des années 80. C'est-à-dire que les années 80, c'est l'époque où on redécouvrait le concept d'innovation. Pourquoi? Parce qu'on sortait des 30 glorieuses. On sortait d'un régime, entre guillemets. Je pense qu'aujourd'hui, on est exactement dans la même situation. C'est-à-dire qu'on a vécu 25 ans d'un régime néolibéral, comme on le qualifie, et je crois qu'aujourd'hui, on doit véritablement réinventer certains mécanismes fondamentaux de la société. Et on voit bien que les jeunes aujourd'hui cherchent à, comme ils le disent souvent, faire autrement. On est en train de réinventer des choses, on est en train de réinventer des hiérarchies de valeurs, et bien sûr, là derrière, on est en train de réinventer des institutions, des valeurs, des dispositifs technologiques. Et ce sont les bases pour la société probablement des 20-25 ans à venir.